Jetant un coup d'œil aux publications qui pourraient secouer les marchés d'échange lundi 26 septembre. Vous regardez le calendrier économique. L'ordre du jour sera ouvert la veille à 21h45, lorsque la balance commerciale de la Nouvelle-Zélande pour août sera publiée. La balance commerciale est devenue négative en juillet pour la première fois en 7 mois, car les exportations de viande avaient fortement chuté. L'indice du climat des affaires IFO de l'Allemagne pour septembre va paraître à 8h. L'indice a perdu 2,1 points en août, ce qui reflète les inquiétudes que le Brexit puisse provoquer une baisse des commandes étrangères. Les approbations de prêts hypothécaires du Royaume-Uni pour août vont suivre une demi-heure plus tard. Le nombre d'approbations recule depuis 2 mois et s'établit actuellement à son plus bas niveau sur plus d'un an. Le président de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, va faire un discours bien surveillé à 9h30 lorsqu'il va prendre la parole lors de la conférence CIBO 2016 à Genève. Un autre discours d'une grande importance, celui du président de la BCE Mario Draghi, est prévu pour 14h GMT. Mario Draghi va témoigner devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen à Bruxelles. Les ventes de maisons neuves des États-Unis pour août seront publiées à la même heure. En juillet, les ventes ont surpris à la hausse, ayant atteint leur plus haut niveau sur 8 ans. Les traders du UR devraient suivre de près un événement prévu pour 23h10. Le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, va faire un discours à l'Université Western Washington à Washington. Le texte du discours sera disponible 15 minutes avant l'événement. Mais lors de l'événement, il y aura également des questions du public. La Banque du Japon va publier le compte-rendu détaillé de sa réunion de juillet à 23h50. Il y a déjà eu une autre réunion, mais le compte-rendu de la réunion de juillet pourrait fournir des détails sur les décisions de la banque. Cela conclut le calendrier économique pour lundi. Je m'appelle Kaya Skalil. Ne manquez pas notre prochain calendrier pour mardi. Au revoir.